Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 mars, c'est Jérémy Delsol pour votre émission. Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals, il est 8h30. J'espère que tout le monde va bien, on va se pencher rapidement sur le site Admiral, brièvement hein, pour aussi regarder bien sûr ce calendrier économique. Je vous rappelle juste qu'on est du coup en plein dans ces 2 semaines où on a 1 heure de décalage avec les États-Unis. Donc pour les séances US, n'oubliez pas, c'est pas 15h30 à l'heure actuelle, c'est 14h30, ce jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc là, vous avez toujours hein, cette information présente dans la partie à propos actualité du site admiralmarkets.com. Côté calendrier économique, on va regarder ce qu'on a pour aujourd'hui. Pas grand-chose. Du coup, un discours ici à 10h côté européen de Panetta, mais sinon on va avoir des petits taux d'inflation ici attendus à côté italien. Je dis petit parce que ça va pas influencer énormément le marché, des mises du coup des obligations, pardon, des émissions, voilà, obligataires, je cherche mes mots ce matin, attendu à 10 ans, du coup, sur le bond allemand, bien sûr, à 11h30 également. Sinon, 13h30, c'est déjà du côté du dollar canadien avec ses taux d'inflation attendus également. Et à 13h30, ce sera déjà les prix à l'importation, à l'exportation et notamment les ventes au détail mensuelles, annuelles attendues côté US, ici. On a bien sûr 15h30, vous le voyez, hein, ce décalage, d'habitude c'est 16h30. Là, c'est 15h30 aussi, côté US pour ces stocks de pétrole attendu aussi aux États-Unis. On a aussi l'indice bien sûr du coût de logement NAB hein, attendu à 15h côté américain. Donc voilà, ça fera surtout l'après-midi ici, puisque le soir ce sera le focus sur notre émission. Justement, on sera live pour un deuxième du coup événement aujourd'hui, puisque ça sera tout simplement la Fed attendue ce soir, avec déjà les taux d'intérêt, mais bien sûr une demi-heure plus tard comme d'habitude, la fameuse conférence de presse avec Jérôme Powell également. Donc on sera live ce soir à partir de 19h justement pour étudier ça ensemble et voir la réaction des marchés. Voilà pour le calendrier économique. Donc vous l'avez compris hein, en début d'après-midi 13h30, du coup surtout hein, l'USD CAD qui pourrait bien bouger aussi, et puis forcément ce soir à partir de 19h. Je vous repartage ici les astuces du Tech Profit en trading, notre prochain webinaire attendu la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, c'est pas le seul événement qu'on aura. On démarre cette série de webinaires mensuels, les séances de trading que je vais vous proposer à partir du 24 mars. Vous le voyez, c'est bien de 18h à 19h. Ce sera ensuite le mois d'après de du coup 18h à 19h, le 28 avril, le 26 mai. Donc vous avez aussi de quoi programmer à l'avance ces rendez-vous qu'on fera ensemble. Directement accessible pour les clients, bien sûr, sur compte réel chez Admirals. Donc, ici, vous pouvez aussi vous inscrire si vous souhaitez aussi voir du coup bien ce que ça donne hein, que ces séances sur swing trading pour bien sûr des swing traders, des investisseurs, puisqu'on ira voir des horizons de temps beaucoup plus long terme aussi. Donc, voilà, ici, on va passer sur les graphes. Je vais venir vous saluer bien sûr sur le chat immédiatement. On avait Hamid qui nous dit bonjour, Jérémy. Bienvenue à toi, Hamid. J'espère que tu as bien. Philippe également qui nous dit bonjour, Jérémy, et à toute la team. C'est du coup ces traders, voilà, pouce bleu. Bon trade, merci beaucoup Philippe, merci pour les likes dès le début, ça me fait toujours très plaisir. Bienvenue à toi, Soufia également qui nous dit bonjour, Gérard également, bonjour, bien le bonjour à les tradologues, bienvenue à toi aussi, bienvenue à Soufia, bienvenue à vous tous, hein, clairement. Didier aussi qui est avec nous, bienvenue à toi, HMD qui nous disait aussi salut à tous et bonne journée de trading. Pardon, bienvenue à toi aussi HMD, Arona également qui dit bonjour à tous et bonne séance. Me voilà enfin installé du coup à un bureau et pas sur la table basse. Parfait Arona, ça fait plaisir. Je pense que du coup tu t'es dans de bonnes conditions, encore mieux qu'avant. Tom qui nous disait salut tout le monde, bienvenue à toi Tom aussi. Damien, Arona qui disait travaux finis, parfait, génial Arona. Paul qui nous dit aussi bonjour, Michel, Seb également, Zaraki, Kev, on a aussi Mister Momo Bob qui nous disait salut à tous, salut Jérémy, félicitations pour ta formation. Merci beaucoup à Mister Momo Bob, ça fait plaisir. C'est tout frais, c'est tout récent. Hein. Sylvie qui nous disait aussi bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Sylvie. Frédéric qui nous disait salut Jérémy à tous. Antonio également, bienvenue à vous tous, hein. Clairement. Florian également qui est avec nous, qui nous dit du coup j'espère que ça va mieux, t'as tout. Ça va de mieux en mieux. Encore un léger, un tout petit peu présent, mais vraiment ça va de mieux en mieux. Merci Florian, ça fait plaisir. Arnaud qui nous disait aussi bonjour Jérémy, j'espère que tu vas bien. Tout le chat te suit et te dit bonjour. Merci beaucoup Arnaud, ça fait plaisir. Et j'espère aussi que tu vas bien. Alors, je sais pas le décalage horaire que tu vas avoir, mais j'espère que c'est pas trop important. En tout cas, Zaraki qui nous dit le gold va baisser, point d'interrogation, et les indices vont monter suite à l'annonce du coup de Zelensky qui ne rejoindra sûrement pas l'OTAN. On va voir en fait, tout dépend comment les acteurs interprètent cette information là. S'il y avait des bruits de couloir, que ça a déjà été un peu intégré, on va dire, dans le prix, tu vois ce que je veux dire. C'est souvent ce qu'on appelle aussi que la news a été déjà pricée par le marché et que derrière, du coup, on retrouve pas la conséquence directe puisqu'elle a été déjà interprété juste avant. Donc à voir, tout dépend vraiment et on va étudier le comportement du prix ensemble, ça c'est certain. Zaraki qui nous disait du coup, ou bien c'est trop tôt pour le dire.
En tout cas, on va suivre le comportement de marché puisque on va voir comment les gens vont interpréter cette information, si c'est déjà traité, si ça va venir dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on démarre justement sur le JP 225 immédiatement en récupération de mouvement. Donc là, on remonte de plus en plus hein, sur le JP 225 en direction des 26 250 points. On a su s'affranchir en fin de compte de cette zone cassée, la zone support SA mensuel dont je vous parlais, qui faisait office de résistance et du coup qui jouera désormais à nouveau, en tout cas dans un premier temps, support bien sûr, puisqu'on repasse au-dessus. Donc là, vous voyez, on descend, on corrige un petit peu, on repart un peu comme ceci. Donc une direction, pour ma part, relativement claire en direction bien sûr du seuil résistance majeur journalier. Du coup vraiment résistance journalière bien sûr pardon des 26 250 points. Donc le graphique OA lui va nous montrer justement qu'on sort par le haut. C'était du coup notre scénario d'hier. Ici je voulais laisser du coup un scénario possible en breakout haussier. Ce qui est bien c'est qu'on a du coup cassé, retesté un peu en mode cas d'école ici pour trouver une zone résistance qui passe support et progresser plus haut. Donc à titre de comportement sur notre séance asiatique, on a eu ainsi un petit peu de baisse pour mieux remonter. Donc on va voir si c'est un biais directionnel qui sera suivi aussi ce matin côté européen, notamment avec le DAX 40 qui est déjà en train de franchir le seuil des 14 000. Donc on va voir ça, c'est pareil, hein, impulsion baissière, on est toujours dans une phase de respiration pour moi, on n'est pas dans une tendance haussière journalière, on est toujours dans une tendance baissière en fait, du coup comme ceci journalière. Mais on repasse au-dessus des 14 000 et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de notre séance. On a différents niveaux désormais fonction de ce qui s'est passé récemment. Donc on a déjà ce gros niveau des 14 000 qui a été cassé tôt ce matin. Ici si on regarde, c'était à 6 h du matin, ici on casse par le haut et on atteint sans trop de peine déjà 200 points au-dessus les 14 200. Donc j'ai mis cette zone en support puisqu'on est en train de la franchir. Hein. Tout à l'heure je vous avoue au tout début je l'avais mis résistance puisqu'on n'avait pas cassé. Pour l'instant on est en train de franchir, donc zone support jusqu'à preuve du contraire pour un maintien possible en direction ensuite des 14 450. Si réintégration par contre il y a, on fera attention pour de la respiration jusqu'à la zone clé du coup en rebond en fait et en respiration plus profonde on va dire. Donc à partir de là, on va aussi avoir d'autres niveaux. On va avoir la R2 qui bloque pour l'instant un petit peu. On va avoir la R1 par ici. Donc ça ne m'étonnerait pas si le marché n'est pas directionnel aujourd'hui, qu'on ait une zone de consolidation qui évolue un petit peu comme ceci. Entre cette R1 et cette R2, on a quoi comme niveau? On a les 135 pour les du coup 287. Donc si on n'arrive pas à évoluer vraiment dans un beau scénario en tendance, eh bien on verra si le range ne va pas s'établir. Pourquoi je vous donne ces niveaux-là? C'est parce qu'on aurait un niveau aimant un petit peu au milieu des deux, ce qui se trouve être vraiment le niveau psychologique aussi des 14 200. Donc on peut avoir des consolidations qui se créent autour de ce genre de zone. Donc sinon en termes de scénario à part le range, eh bien on a du break bien sûr en poursuite possible ou du break en du coup récupération de mouvement. Mais ça va jouer aussi fonction déjà des 14 200 bien évidemment, puisque le range n'est pas encore établi. Donc dans un premier temps je vais déjà regarder aussi avec attention les 14 200, mais on va voir ça live bien évidemment ensemble, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant un marché qui depuis 8 heures monte et revient sur son prix de départ, donc pas de tendance initiée pour l'instant ici. Pareil dans le détail hein, sur le graphique du coup une minute en équivalent sur mon système LTR. On va partir sur le CAC 40, un CAC 40 qui gap à la hausse, on est au-dessus des 6 300. Pour ma part ici on a une impulsion, une correction et on commencerait pour le coup déjà sur le CAC à potentiellement changer la tendance. Tout va se jouer justement dans la zone où on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire le sommet journalier précédent, ce niveau PPS à intermédiaire mensuel et du coup les niveaux de cotation sur lesquels on se trouve, c'est-à-dire qu'on est sur les 475, juste au-dessus nous on a un niveau clé aussi important, les fameux 6 500 points. Donc tout va jouer en fonction de ce seuil-là aussi. Bien évidemment, on va regarder tout ça du coup à plus court terme. Je vous ai même mis les 6 525 étant une très très belle zone du coup structurée ici dans le passé. On voit en détail ce gap également formé sur le graphique horaire et on va rajouter les points pivots du jour. Donc j'ai cette R2 du jour sans faire exprès en plus qui concorde totalement avec la R2, pardon, avec mon niveau clé résistance horaire, les 6 525. Donc ici on sait qu'on a un obstacle entre les 500 et les 525 et de l'autre côté on a déjà une zone R1, on a une zone support sur les 6 410 et si on réintègre les 6 410 on a du point pivot et pas mal de choses. Vous voyez le point pivot, le niveau des 6 300, la zone support S1 mensuelle, la zone support S1 journalière, on a beaucoup beaucoup de choses et je vous rappelle qu'ici on était en range. Hein. Donc on aurait réintégration de range possible ici du coup pour combler quelque part un petit peu ce gap et du coup continuer en range entre les 6 410 du coup et les 6 210. Donc d'ailleurs je vais vous remettre un niveau ici pour pas que vous oubliez, on sait jamais hein, si aujourd'hui on a de la baisse
les 6210 bornes basses de cette zone de range horaire précédent. Donc le breakout qui se fait à l'aide du gap. On va voir si on revient ici rebondir pour continuer ou si pour l'instant on n'hésite pas un petit peu et qu'on ne fait pas un break sur une vague d'optimisme, on va dire, pourquoi pas sur les marchés. En tout cas, ce sera à l'étude ce matin pour les différents scénarios dont on vient de parler. On va regarder le CAC 40 ici aussi pour l'instant à 5 minutes. De la hausse, de la baisse, on va nulle part depuis 8 heures pour le moment. On va regarder la bourse britannique aussi, bien sûr, le FTSE 100 qui lui aussi repasse au-dessus de son niveau majeur journal qui était anciennement résistance, qui passe support. Je vous parle des 7200 ici. Pour l'instant, pour ma part, ce n'est qu'une vague de respiration, impulsion, retracement. Hein, donc respiration slash retracement, vous savez ici, c'est deux synonymes pour ça, mais on est aussi en train de tester un niveau important quelque part. On va parler des 7000, du coup quasiment les 7300. On va descendre sur le graphique horaire, voir ce que je vous ai mis en termes de niveau justement. On va dézoomer un petit peu. Pareil, on est sorti de cette zone de range en fait, hein, dans laquelle on évoluait. Paf, on a cassé les 7200 par le haut. Ça nous entraîne donc sur cette zone résistance autour des 7275 avec la R2 du jour. Et cette R2 du jour qui va se trouver quasiment sur les 7300, on parle des 7295. Donc une zone obstacle résistante. Soit un rejet dans un premier temps, bien sûr, pour une respiration du coup plus rapide sur la R1 qui passe résistance ou sur les 7200 aussi qui passe support, cette R1 bien sûr, ou sinon les 7200 pour un support plus profond et un rebond plus profond. Ça, c'est des scénarios de baisse du coup en respiration ce matin possible. Pour un scénario en poursuite directement, il faudrait une cassure et transformer cette zone de résistance en support. Il n'y a pas véritablement pour le moment de zone de range potentielle puisqu'on est en mouvement directionnel. On en parlera le moment venu bien sûr, mais pour l'instant c'est vraiment du directionnel sur du FTSE 100 pour le moment. On va partir d'ailleurs sur du M5. Et je vais vous montrer ce qu'il en est. Très belle tendance haussière ici, clairement. Et on n'est pas encore sur des retracements de Fibo, puisqu'on est sur une impulsion qui est assez importante et une correction microscopique, hein, j'ai envie de dire, pour le moment. Et le biais directionnel est clairement haussier. Par contre, vous le voyez, on est du coup au-dessus, hein, sur mon système, on le voyait, on est au-dessus des extensions de Fibonacci automatique. Et en plus, on bute beaucoup avant l'open dans cette zone résistance entre les 7275 et les 7295 avec la R2 du jour. Donc intéressant de voir à l'open ce qui va se passer sur le FTSE 100 et on passe sur les marchés américains. Je reviens juste rapidement sur le chat ici bien sûr. On en était à Florian qui nous disait du coup chouette, ça tombe bien, je suis swing trader et j'ai un capital supérieur à 1000 euros, mais c'est réservé seulement du coup au compte supérieur à 1000 euros en réel, le webinaire swing trading. Oui c'est ça, si tu as en fait un compte de trading réel chez Admiral Market sur lequel tu as 1000 euros ou plus, tu pourras assister du coup à ce webinaire privé pour les clients Admirals une fois par mois. Donc tu as vu, ça démarre dès jeudi de la semaine prochaine, ce sera toujours les derniers jeudis du mois, comme ça on va préparer le mois à venir à titre déjà d'événements. On regardera le calendrier économique sur des gros événements attendus. On regardera ensuite, bien sûr, des unités de temps bien plus larges aussi pour définir les tendances et les contextes possibles pour le mois prochain pour que vous puissiez aussi en bénéficier dans votre trading, swing trading, bien sûr. Hamid qui nous disait bonjour tout le monde, bienvenue à toi aussi Hamid. Zareki qui nous disait je comprends, merci. Top Zareki. Florian qui nous disait du coup salut Jam, salut chat, bienvenue aussi à toi Florian. Luc qui nous disait parle-nous de l'load CAD. Alors Luc, n'hésite pas à me relancer sur l'load CAD une fois que la séance est démarrée, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de faire tous les actifs habituels ici, mais n'hésite pas à me le rappeler, hein, souvent dans la séance, rappelez-le-moi, puisque c'est vrai que je pars ensuite dans les scénarios, etc. J'ai pas toujours retenu les actifs que vous vouliez voir en plus. RG qui nous dit salut Jérémy, tu utilises quel PP pour ce scalper journalier hebdo mensuel? Alors je vais plutôt faire du day trading intraday que du pur scalping, et ce que je vous montre dans ces graphiques à chaque fois, c'est déjà des points pivots mensuels, puisque je pars d'un graphique journalier, donc les points pivots mensuels sont d'une bonne proportion, on va dire, pour ce genre de graphique. Et ensuite, on descend sur les unités de temps horaires, où je vais rajouter les points pivots journaliers, tu vois. Et ensuite, on va descendre même sur du M5, etc. Et là, je ne vais pas rajouter de points pivots pour ne pas être trop limité aussi, puisque bon, c'est surtout pour vous montrer aussi, montrer à tous les débutants ici comment on peut avoir des zones support et résistance automatiques sur vos graphiques. Les points pivots, je ne vais pas vraiment les utiliser dans ma méthode. Lesquels sont les plus fiables selon ton expérience? En tout cas, si tu veux, quand tu fais du day trading, les points pivots journaliers sont regardés par beaucoup de traders aussi. Donc après, si tu veux, les points pivots journaliers correspondent souvent à des zones de structure aussi. Donc moi qui étudie énormément la structure de marché, je préfère directement regarder la zone de structure plutôt que directement le point pivot. Mais quand tu fais du day trading, ce que tu peux mettre, si tu veux vraiment utiliser les points pivots directement, c'est déjà les points pivots journaliers qui sont des références clés pour ta séance et ta journée.
Très bonne question en tout cas, RG. Dis-moi ce que tu en penses. Florent qui nous dit du coup, j'ai vraiment envie de shorter le CAC 40, mais j'essaye de me retenir, je vais péter. Du coup, tu nous disais, ah pardon, je vais peut-être le faire sur un petit compte CFD, nous disait Florent. Ben voilà, pourquoi pas, hein, carrément. Après, est-ce que tu avais commencé à travailler l'aspect short, puisque je sais que tu étais plus orienté sur les achats, hein, sur les indices boursiers. Death Killer qui nous dit salut, est-ce qu'on pourrait voir aussi le Brent en H1, s'il te plaît? On va y passer, hein, t'inquiète, le Brent en H1, on le voit tous les matins. Anne qui nous dit bonjour, bienvenue à toi, Anne aussi. Walid également qui nous dit bonjour, info sur l'or. On va passer sur l'or aussi, pas de souci. Justement, Philippe, pardon, qui nous disait bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi, Philippe. On a aussi Da Silva qui nous disait salut, bienvenue à toi, Da Silva. Seb qui nous disait comment fait-on pour avoir la même configuration que toi sur MetaTrader 4? Alors, tu parles du système LTR ici. Tu peux envoyer un mail, du coup, dans le descriptif de la vidéo, tu as sur la deuxième ligne du descriptif l'adresse mail france@admiralmarkets.com. Il suffit que tu leur fasses une demande d'information des outils LTR, et ils te renverront sur le site en question. Tu pourras toi-même tester ce système-là pendant 15 jours et voir si ça t'intéresse. Da Silva qui nous dit, du coup, tu nous dis quoi sur les annonces des trois têtes? Deux, trois têtes. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Da Silva, du coup, par rapport à trois têtes. Tu parlerais pas de la fête, peut-être? All Nature qui nous disait bonjour à tous, salut Jérémy. C'est pas mal le truc pour le swing. J'ai de l'argent qui dort sur mon livret A. Ça m'arrange avec un like. Bah parfait, All Nature. N'hésite pas en tout cas. On pourra voir justement les opportunités qui se présentent. On va avoir pas mal d'actifs, hein, dans ces séances swing, puisque le swing trading vous permet justement de regarder un portefeuille d'actifs assez large. Michel qui nous dit salut, bienvenue à toi Michel aussi. Bébert également, bienvenue avec un like et un clin d'œil. Merci Bébert pour le like, ça fait plaisir. Déjà 34 likes avant l'open. Merci à vous tous. Du coup, Florent qui dit du coup, j'essaye de bosser les shorts. Oui, j'ai la technique à la baisse sur le CAC Cash TP 6340 environ. Ça marche, on verra, hein, comment ça se passe bien sûr. Allez, on continue directement sur le S&P 500. Le S&P 500, du coup, qui a de plus en plus de mal à baisser. Ça consolide, vous voyez le troisième test ici d'une zone support aux abords, même de la zone support S1 mensuel, on parle des 4150 points. Donc on n'est plus concrètement dans une tendance baissière, on est dans la consolidation pour ma part à partir de là sur le S&P 500. En descendant sur le graphique horaire, on s'aperçoit d'une très jolie zone support désormais sur les 4250 pour une belle zone résistance sur les 4300 juste avant l'AR1 du jour, l'AR1 du jour qui sera quant à elle sur les 4000, pardon, 305 à peu près. Donc voilà où on en est ici. Des scénarios fonction donc de cette zone support, fonction de cette zone résistance. Donc dans un premier temps, résistance qui pourrait faire respirer le marché. Si on casse comme ça, c'est une zone résistance qui passera support. Sinon, on pourrait revenir ici chercher aussi du rebond pour un nouveau test donc de la zone. Mais aux abords de cette zone-là, attention à des premiers rejets ici aussi possible. Côté Dow Jones 30, on est aussi sur des mouvements qui ont du mal à poursuivre la baisse. Pareil, on a fait plusieurs tests sur des zones support, on réagit direction pour l'instant la résistance toujours des 34 000 concordant avec le point pivot justement mensuel. Alors à titre de scénario ici, vous voyez pareil, impulsion, correction, on est dans la tendance haussière horaire sur le Dow Jones 30 en train de vouloir casser déjà les 33 700. Juste au-dessus, on a une R1 du jour présente sur les 33 850 points environ. Donc là, soit on respire justement pour trouver du coup du rebond possible et continuer, soit on va hésiter un petit peu ici et breaker par le haut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on a un événement très important côté marché américain, bien sûr. Donc ça serait intéressant d'y voir des mouvements du coup tendanciels avant, puisque le marché va commencer à se calmer juste avant la publication des taux de la Fed et la conférence de presse. On sera live pour voir ça ensemble, bien sûr. Mais du coup, voilà, ça serait bien d'avoir des scénarios un peu avant cet événement, puisqu'ensuite, il faut attendre de voir comment l'événement est digéré par le marché pour pouvoir en tirer aussi avantage. On sera live ce soir, je vous rappelle, à partir de 19 h pour étudier tout ça ensemble. On part sur le Nasdaq 100 maintenant. Alors, hop, pourquoi il est parti sur le M1, lui? Hop. Très joli double creux, hein, soit dit en passant sur le M1, on va regarder ça. Double creux ici. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé le sommet. Bon, c'est du M1 déjà sur le dos. Ici, le Nasdaq 100, pareil. Alors, le Nasdaq 100 a su faire un creux plus bas que les creux précédents. Donc, pour ma part, le Nasdaq 100 reste plus encore en tendance baissière que ses homologues, les S&P 500, Dow Jones 30, d'un point de vue journalier. D'un point de vue horaire, on a cassé joliment une résistance qui passe support, les 13 475, et on est sur le test PPS1 intermédiaire mensuel qui corrobore les 13 625. Pour ma part, très intéressant avec cette R1 du jour juste au-dessus. Donc, obstacle dans un premier temps pour de la respiration dans un marché qui est en tendance haussière horaire, mais on n'oublie pas le contexte général journalier. Donc ici, une belle zone aussi pour voir si on n'a pas des rejets de la réaction direction, pourquoi pas les 13 425. Vous voyez que les niveaux sont amples, hein, entre le point pivot, la R1 du jour, etc.
Donc on va voir si on n'a pas de la réaction comme ceci ou de la cassure. Vraiment pour moi aujourd'hui, ça va jouer autour des 13 600, 13 625 du coup sur le Nasdaq. Alors l'ARA elle c'est sur les 638, donc même les 625, 640 du coup vraiment comme obstacle pour du coup dans un premier temps, ou bien sûr obstacle qui se transforme à titre de support pour nous aider à progresser encore. Avant de partir sur les matières premières, je reviens rapidement sur le chat. RG qui nous disait merci pour ta réponse concernant les points pivots. Du coup, tu confirmes ce que je pensais. Parfait RG. Parfait RG, je t'en prie. Les points pivots journaliers, pardon, sont très fiables, comme les mensuels, les hebdos. Je ne les trouve presque jamais pertinents. Merci à toi. Alors souvent, ce qu'on voit d'un point de vue journalier, c'est que les points pivots mensuels peuvent être intéressants. Tu as même les points pivots intermédiaires mensuels ici sur ces graphiques-là. Mais comme je te disais, ça ne fait pas partie intégrante de mon trading. Je suis plus sur du day trading de toute manière. Donc, ces gros, gros points pivots. Certains scalpers vont les utiliser pour aller chercher quelques petits points en réaction de super gros points pivots comme ça. Après, ça, y a, comme je le dis souvent, il y a autant de stratégies de trading que de traders. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Je t'en prie, en tout cas, RG, avec plaisir. Florian qui nous dit, du coup, je vais voir pour un TP 6420, journée FOMC. Donc, on y va tranquille. Et j'ai déjà fait quasi un SMIC depuis lundi. Pas besoin de faire idiot sur la fin de semaine. Bah, parfait, hein, Florian. Ouais, en effet, tu es dans une bonne situation, donc tranquille. Du coup, sur les trois têtes de taureau sur l'USD. Alors, trois têtes de taureau, je t'avoue que ça ne me parle pas. Da Silva, c'est peut-être une figure chartiste que je connais pas. Tom Paris qui nous disait comment avoir des résistances support automatiques sur MTK. Donc voilà, parfait, Tom. Hein, tu peux utiliser les points pivots Admirals pour avoir des zones support, des zones résistance, un point pivot central par exemple, puisque ça s'affiche automatiquement sur tes graphiques. RG qui nous disait, Jérémy, tu parlais hier de changement d'heure actuelle aux US 14h30. Je t'avoue, je ne comprends pas du coup ces changements. Tu pourrais expliquer s'il te plaît, merci. Ces changements d'horaire en hein, fonction d'heure d'été, d'heure d'hiver tout simplement. Donc pendant 15 jours, en fait, nous on va être en décalé avec les US par rapport à cette heure justement. À toi sur l'or, merci Da Silvas. On va passer sur l'or justement ici, tu vois. Alors je t'avoue que les trois têtes de taureau et le toit sur l'or, ça parle pas Da Silva, désolé. En tout cas, je vais vous donner mon point de vue sur le gold ici. Donc en phase de respiration, c'est pas une tendance baissière, c'est une phase de respiration, c'est-à-dire qu'on est en phase de retracement à l'heure actuelle sur un gold qui avait énormément monté. Donc cette phase de retracement, elle est proportionnelle aussi quelque part à cette grosse montée. Donc ça me choque pas de voir le gold aussi baisser. Ça ne peut pas monter au ciel sans jamais se retourner. Donc à partir de là, on y fait attention et on en est surtout conscient. Et je vous ai mis, on va zoomer un petit peu ici, puisque alors déjà dézoomer pour y voir la baisse récente sur le graphique, ouais, mais on va zoomer pour voir la zone actuelle. Pour moi ici, je vous ai délimité une zone très simple, 1915 support, 1925 résistance, on va rajouter les points pivots. Donc ici, sans faire exprès, le point pivot journalier, il est juste au-dessus des 1925. Vous voyez clairement qu'on est en phase de consolidation. On a trois tests sur la borne basse et on a deux tests sur la borne haute, trois tests aussi sur la borne haute, un ici et là côté extérieur. Donc on est bien bel et bien en consolidation dans cette zone-là. Donc trading en red jusqu'à preuve du contraire, breakout baissier, breakout haussier, c'est aussi simple que ça. On va étudier ce matin le gold aussi, j'ai essayé de le garder à l'œil, du coup ce gold aussi, puisque pour l'instant, je vais vous le montrer ici, paf, il serait plutôt orienté en tendance baissière. Je vais paramétrer d'ailleurs l'assistant pour y voir ici, hop. Peut-être des scénarios en baisse. Vous voyez qu'on a une impulsion, une correction, des retracements automatiques de Fibo, une tendance baissière automatiquement lisible ici avec le système, mais c'est avant l'open. Donc on va voir l'open, comment on va réagir sur le gold également. On va finir sur du 5 minutes. Du coup, sur des thèses vraiment de cette borne basse avec une zone support claire, du coup, les 1915. On passe sur le Brent justement, pareil, impulsion, correction, on est dans la respiration qui est proportionnelle à la vague d'impulsion. Fallait bien qu'on respire aussi, bien évidemment, on ne peut jamais partir en ligne droite sans se retourner. Et ici, on a récemment travaillé une zone de consolidation entre du coup de 1 les 99,25 et les 102,50. Mais on commence à ressortir par le haut. Donc je vous ai surtout laissé cette zone support 102,50 pour une zone résistance 109,50 avec au passage un niveau intermédiaire qui va se présenter sur les 105,50. Juste avant en fait cette ER1. Donc je peux vous placer un niveau ici, on va le mettre en pointillé si vous voulez. En pointillé noir par exemple, ou comme ceci, tiens, pour changer un petit peu. Sur les 105, j'ai dit 50 comme niveau relativement intermédiaire. Donc attention, pour l'instant, ça pousse. Donc on a un scénario de break de cette zone. On pourrait
Du coup, comme ceci, travailler un petit peu la zone pour ensuite aller directement sur les 109,50 après un petit peu de respiration. On aura un petit peu de résistance dans un premier temps ici, donc à voir si on n'a pas ce genre de comportement. Si on respire trop, on repasserait sous les 102,50. PPR1 d'ailleurs, intermédiaire mensuel au passage, et on réintégrerait la zone de range pour une borne basse, je vous le disais, autour des 99,25. Donc voilà pour le Brent à l'heure actuelle. Suite à un test ici, là et là, on commence à breaker cette zone de range par le haut pour récupérer direction les 105,50 dans un premier temps. D'ailleurs, j'ajoute les points pivots. On a une R1 qui est un petit peu aux abords de ces 105,50. On a un point pivot ici aussi en réintégration possible de la zone de range précédente. Allez, on va partir sur le Forex. Il nous reste 4 minutes avant l'open. Je vais nettoyer ici le watermark qui se superpose un petit peu. Hop. Un petit peu beaucoup même. Hop. Voilà. Toujours sur une tendance baissière sur l'ordre. Je reviens rapidement sur le chat. On en était où? Tac, 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 tac. Il y a le stock de pétrole prévu à 15h30. D'habitude, c'est 16h30, nous disait Florian. Oui, c'est à cause du décalage horaire avec les US. Donc là, cette semaine et la semaine prochaine, il y a un décalage horaire d'une heure. Et du coup, au lieu d'être 16h30, c'est 15h30. Journal qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi, journal. Philippe qui nous dit du coup pouce bleu, c'est fait. Merci beaucoup, Philippe, ça fait plaisir. 41 likes juste avant l'open. Merci à tous ceux qui du coup appuient sur le petit bouton like. Top, je parlais du gold autant pour moi, nous dit Da Silva. Pas de souci, pas de souci, Da Silva. Du coup, voilà hein, ce que j'y vois. J'espère que ça te donne aussi des informations complémentaires ou c'est peut-être d'ailleurs ce que tu y trouvais aussi. Florian qui nous dit les US ont déjà changé en heure d'été pour répondre à l'autre Florian. Voilà, justement, Florian, merci ici aussi pour ta réponse. Ami qui nous dit merci, Jérémy, je t'en prie, ami. Des Florian qui nous disait une publication économique à trois têtes de taureau, c'est une publication économique à forte sur investi, d'accord, ok. J'avais pas fait la relation équivalente du coup aux trois points rouges sur calendrier admiral. Ça marche, d'accord, ça marche. C'est vrai que selon les sites internet, c'est des étoiles, c'est des têtes de taureau. C'est vrai, sur investing c'est du coup juste des ronds rouges par exemple sur admiral. C'est vrai que j'avais pas fait la relation. Merci Florian pour l'avoir souligné. Et l'autre Florian qui nous disait du coup quand nous passerons aussi, il n'y aura voilà plus du tout de décalage, clairement. Clairement. RG qui nous dit du coup je viens de comprendre, en France on change le 27 mars tandis qu'aux États-Unis c'est le 13 mars, d'où les 2 semaines d'écart. Merci pour l'info. Exactement RG, tout à fait. Tout à fait. Donc après, c'est pour ça que ça dure que 2 semaines, donc c'est pas beaucoup, mais il faut en être conscient parce que pendant 2 semaines, c'est quand même 1 heure de décalage via cette Open US et ces événements aux États-Unis. Laurent qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Laurent. Alors rapidement en 3 minutes de l'open, on ira voir les autres actifs après du coup. Mais l'euro dollar, GBPUSD rapidement. L'euro dollar toujours en tendance baissière en réaction depuis les 1.1100. On va avoir du coup sur un graphique horaire toujours ce trading en range présent pour ma part entre les 1.0987 par le haut et les 1.0938 par le bas. Toujours en train de négocier un peu autour de ce point pivot, en train de tenter de le passer. Dernier test borne basse, j'aurais aimé un test propre de la borne haute. Pour l'instant, le marché hésite un petit peu. Donc soyez patient et vigilant ici en plein milieu d'une zone de range sur l'euro dollar. On ira voir ça dans le détail. Toujours à la baisse, ce GBPUSD, les 1.32 étant la zone résistance majeure journalière présente pour ma part ici. On va descendre sur le graphique voir, rajouter les points pivots ici aussi. Je vous avais mis du coup une zone, c'était en fonction bien sûr des 1.30-50 pour les 1.30 et avec un niveau intermédiaire sur les 1.30-25. D'ailleurs que je vais juste aller remettre du coup comme l'autre hein, en niveau intermédiaire noir comme ça en petit trait. Voilà, parfait. On est en train de réintégrer cette zone justement pour aller déjà sur le creux précédent, possiblement le niveau médian et ensuite la borne basse. On a du mal à remonter, on a été limité par cette zone supérieure de casser, donc il fait office de résistance aussi. Donc à titre de scénario, soit on arrive à casser sous le point pivot pour partir dans la réintégration niveau médian, niveau borne basse, soit on rebondit, on rangerait alors à ce moment-là un petit peu dans cette phase-là en attente d'aller chercher des tests de zone résistance sur ces sommets-là. Vraiment, la hausse serait plus intéressante comme ceci, au-delà seulement de cette zone qui va se jouer avec un niveau clé autour des 1.30-85. Donc voilà ce que j'y vois clairement pour l'instant sur du GBP/USD. Pour l'instant, un GBP USD en taille de 3 du coup Renko, on va aussi alors pas hop, voilà, on va mettre du 25 ici, du 6, du 3, du 6 comme d'habitude, début d'une tendance baissière d'ailleurs sur ce GBP USD pour démarrer l'open qui va se faire. Donc on va se tenir prêt, on ira voir les autres paires Forex et les cryptos juste après dans notre séance. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait voir aussi l'autre CAD, on ira le voir dans la séance dès que l'open sera faite ici. Voilà Tom qui nous disait merci, je suis sur téléphone pour MT4. Ça marche Tom. Alors attends, sur téléphone, tu disais c'était par rapport au système. Ah, pour les niveaux automatiques. Alors je crois pas que les. Ouais, non, les points pivots sont pas sur la version mobile. Dis-moi si tu es sur l'application Admirals ou si c'est sur la version
téléphone de MT4, puisque tu as une différence désormais, Admirals a sa propre application. Macozy qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Macozy, la Silva qui nous dit merci Florian. Florian qui disait du coup d'accord, pardon, pas de soucis Jérémy, avec un sourire. Et Abdel qui nous disait aussi bonjour Jérémy, bonjour à tous les amis, bienvenue à toi Abdel. Vous voyez pas que les marchés US ont déjà anticipé la réunion de la Fed. Alors, en tout cas, ils étaient contents hier, les marchés américains, ils ont remonté. Mais c'est vrai qu'on avait des petites news, je sais plus c'était laquelle exactement, relativement rassurante par rapport aux négociations du côté de l'Ukraine. Mais du coup, pour l'instant, je vous ai pas du coup refait un petit point là-dessus. On a déjà les investisseurs qui restent focus bien sûr sur ce conflit-là. On est en attente bien sûr de la fête de ce soir, puisque on sait que ces taux vont être relevés pour lutter face à l'inflation côté US. Et puis on a le président ukrainien aussi qui a fait savoir que les discussions du coup entre les Ukrainiens et les Russes du coup reprendront ce mercredi pour tenter de faire avancer un petit peu le dossier, puisque c'est vrai que pour l'instant ces négociations-là n'ont pas apporté beaucoup beaucoup de solutions concrètes, ou en tout cas de décisions concrètes qui vont faire évoluer la situation en fait, clairement. Allez, l'open qui va pas tarder, ça y est, il est 9h01, l'open qui n'est pas très nerveuse. Pour l'instant, c'est tranquille, on la voit pas arriver sur les graphiques. Souvent, vous pouvez le remarquer directement sur les graphiques. Là, pour l'instant, c'est relativement calme. Tendance haussière sur le FTSE, du range pour ma part sur le DAX en M1, en M5. Et du coup, un GBPUSD plutôt orienté en baisse. Le CAC 40, quant à lui, sera potentiellement plus sur de la baisse que sur de la hausse. Mais du coup, ça reste à confirmer pour l'instant. Donc un GBP/USD qui pourrait revenir tester peut-être à titre de résistance les 1,3050. On va voir si on a de la réaction si jamais ça arrive. Vous voyez du support ici, du support par là. On va voir si on a de la réaction à titre de résistance. Le FTSE 100 qui reste bloqué par sa résistance R2 pour l'instant, il a du mal. Il a du mal à progresser. On va avoir une R2 aussi sur le DAX. On n'a pas de. Si on a l'air de pas loin, remarque aussi sur le CAC. Donc attention pour l'instant à ces hausses qui peuvent être limitées par des points pivots et des zones obstacles. On est en train de tester ici les derniers sommets sur le CAC, surtout ici, vous voyez, avec la R2 juste au-dessus. C'est une open très tranquille qu'on a pour l'instant. Dasiva qui nous dit merci Florian. Alors, pardon, je l'avais lu ça. Zareki qui nous dit tu peux nous analyser le GBP/JPY. Yes, on va y passer. Il y a l'AUDCAD aussi. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais transformer l'EURAUD du coup en AUDCAD ici. Voilà. AUDCAD ici. Hop, on va glisser là. Donc, rapidement, l'AUDCAD, puisqu'on nous l'a demandé tout à l'heure. Donc, l'AUDCAD ici qui est dans une tendance haussière journée. Alors, c'est vrai qu'on a un double top ici. On a un double top avec ces mèches là. Du coup, tendance haussière sinon plus long terme, puisqu'on avait ici une très belle impulsion qui a cassé plusieurs sommets, des creux de plus en plus haut aussi. On n'a pas encore cassé tous ces creux là. Par contre, on a cassé ce creux ici suite à un double test. Hein. Ça doit être beaucoup plus visible directement sur du. Du coup, sur du H4. Alors, non, le H4, on a des tests ici. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas avec ce sommet là en point de référence, parce que la mèche était trop haute. En tout cas, tu reviens si tu es dans cette zone là entre ce dernier sommet, ce dernier creux. Donc à partir de là, on va voir si en fait tu peux repartir au-dessus de la zone des 0,92-24, 25. Du coup, tu vas comme ceci pour continuer cette tendance haussière. Mais c'est vrai que tu as ce double creux, double top, pardon, face à toi, et que tu es en réintégration de cette zone entre ce sommet et ce creux là. Donc si tu as un échec sur les 92
25, tu peux retourner sur un test du creux sur les 91,50. Ça, c'est d'un point de vue déjà du coup, journalier. Et du coup, ce que tu as d'un point de vue horaire, c'est déjà cet obstacle-là à l'heure actuelle qui était donc support, qui fait office de résistance justement, qui va travailler eh bien les 0,92-10 en fait. Donc t'es pas loin des 25 pour ensuite tu vas casser comme ça ou rejeter dans le scénario dont on a parlé récemment ici. En train de vouloir baisser pour l'instant, un petit peu de réaction sur le GBP/USD, rien d'extraordinaire pour l'instant. Donc je suis en range hein, sur le FTSE, je vous montre ça, un double top ML, les figures chartistes qui se retrouvent sur mon outil ML ici, et pour l'instant on casse par le bas, donc on part plus dans du range qu'autre chose. Le marché qui est en attente, je vais être patient pour l'instant. Application est disponible sur Play Store, nous dit Da Silva. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur Google Play aussi, sur pas mal de choses. Pas mal de choses. Maintenant, Christian qui nous dit hello, Jérémy, hello à tous, bienvenue à toi aussi, Christian. Alors, GBP, JPY aussi pour toi, du coup, Zaraki. Toujours pareil hein, par rapport au daily, donc toujours dans de la tendance baissière en récupération de mouvement. On est de plus en plus sur l'obstacle des 154,50. Tu vois, on bute une fois, deux fois, on est en train de buter dessus aussi. Donc on est vraiment dans cette configuration-là un petit peu pour voir si on peut casser les creux, repartir déjà sur du test point pivot, PPS intermédiaire, zone support S1. Donc c'est pas encore déclenché un titre de retournement de tendance, mais on se rapproche d'un déclenchement possible, d'un retournement d'une tendance en fait. On va voir si on peut prendre un petit trade ici aussi. Tentative de cassure. Un scénario en attente du coup. Hop, comme ça, on va regarder. Ce qu'on a ici ensuite. Arona qui nous cette nuit aussi très peu de vraie volatilité sur le marché asiatique. Donc voilà, on va voir hein, si les marchés sont pas déjà en attente limite pour cet après-midi. Zaraki qui nous dit merci Jérémy, je t'en prie Zaraki. EasyTox qui nous disait salut à tous, content de vous retrouver. Y a-t-il une news côté chinois? Je vois le marché action qui a explosé ce matin. Je t'avoue que j'ai pas vu de news côté asiatique. News particulière. Attends, je vais regarder si je trouve quelque chose rapidement. Si tu as une annonce du vice-premier ministre pardon, sur les prochaines mesures politiques favorables au marché des capitaux. Donc il y a des mesures qui vont être mises en place prochainement et qui vont être très certainement en faveur du marché des marchés boursiers. Donc ça peut expliquer là aussi si côté asiatique. Donc pour l'instant pas grand-chose. On est marché en range, comme je vous le disais. Ça corrige un petit peu ici. Alors je suis initié sur la baisse, ça y est, je viens de voir sur GBPUSD aussi avec le système ici. Un petit peu de baisse en direction de 6 pips sur les 1,30-37 pour un premier TP pour l'instant en attente. Et seulement après ici, je pourrais être déclenché aussi sur les 1,30-37 justement pour du coup un mouvement break de ces obliques, de cette oblique-là, pardon, avec deux points de contrôle testés sur ces creux fractales pour voir si on peut dégager aussi plus bas. Un mouvement baissier. On démarre une tendance baissière même sur le FTSE 100 suite à la sortie du range. Du coup, ici, on va remettre ça en 5 minutes.
un test, deux tests, trois tests, on casse les creux pour l'instant, on démarre sur un peu de baisse aussi ici. Mettre un scénario en attente ici aussi pour voir si on a du break. On a du potentiel de respiration, hein. On a du potentiel de respiration si le marché veut vraiment respirer. Alors après, c'est vrai que quand on reste sur du 5 minutes, on y voit déjà une zone autour des 240. Après, si le marché s'emballe sur de la respiration, pourquoi pas, on verra. On va laisser ça en place du coup. Zara qui disait petite question. Si le prix est en tendance haussière, il va atteindre une zone du coup qui a beaucoup travaillé dans tous les sens. Est-ce que c'est une zone d'intérêt pour toi? C'est pris en tendance haussière et il va atteindre une zone qui a beaucoup travaillé dans tous les sens. Est-ce que c'est une zone d'intérêt pour toi? Oui, bien sûr, puisque ce sera une zone de résistance. Et si ça a beaucoup travaillé dans le passé, ça veut dire qu'il y a eu un intérêt du coup des acteurs sur le marché à travailler cette zone. Tu vois? Donc oui, clairement. Clairement. Point de test ici pour l'instant. On va voir si on est capable de le casser sur du coup le GBP/USD initié à la baisse. J'ai un scénario aussi sur le système ici, plus qu'un Renko de baisse pour atteindre les 51. Hop, non, hop. Ah mince, je suis sorti déjà en partiel, j'ai décalé du coup trop tard. Bon, c'est pas un petit trade de quelques points, on va parler de 8 points déjà ici. Je vais rester à 10 puisque normalement c'était 10, 12 même. Je vais rester à 12 puisque c'était plutôt 12 ici. 12 points, je l'ai décalé que trop tard. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez ça. Et puis ici. Donc voilà, je voulais attendre les 51. Bon, je suis sorti un petit peu avant parce que j'ai décalé du coup vers le haut. J'aurais dû décaler vers le bas. Et du coup, je suis sorti sur le bout de cette mèche pour à peu près 10 points. Donc je vais rester voilà, à 10 points derrière. Enfin non, je voulais dire, hop, j'étais censé aller chercher du 11 points. Donc je vais attendre du 11 points aussi de l'autre côté. Voilà. Bientôt, du coup, possiblement sur un retour des 1,30, du coup 37 sur le FTSE 600, sur le GBPUSD aussi, pardon. Donc initié sur le FTSE. Alors j'ai pas vu ici, j'ai fait aussi du 5 points pour l'instant. Bah, rentrer plus tard hein, sur graphique temps ici. On va voir si je suis capable d'aller chercher un autre niveau. Ça, il faudrait que je regarde pourquoi les alertes ici, du coup, pourquoi elles fonctionnent pas sur mon MT5. Parce que quand je fais le son ici, ça fonctionne pas. Il veut pas. Hein. Bon, je verrai ça plus tard, je vais surveiller ce qui se passe en termes de niveau. Et puis voilà. Hop, on va rester sur du 5 minutes. On a de la poussée à la baisse. Je suis quasiment sur mon TP ici, du coup 1 sur le GBP/USD. Je vous montre ça là pour l'instant. À quelques pips. Petit un pips même. D'aller chercher le TP. Donc sécuriser sur le footsie déjà, en attente de pouvoir sécuriser avec un premier TP1 ici. Sur le GBP USD du coup. Et en attente du coup d'être déclenché ici. Si, c'est marrant parce que là, sur ce graphique-là, ah tiens, d'ailleurs j'aurais pu rentrer plus tôt. On va voir si on a un peu de correction ou pas.
Voilà, une entrée plus rapide ici. Donc voilà, toujours en attente pour l'instant. On est passé à 1 pips à peine du coup du TP1. Regardez ici aussi pour l'instant, on n'est pas revenu sur la zone. Idéalement, j'aimerais aller les 46, 50-46 hein, pour un premier TP sur le FTSE. D'un point de vue graphique, je suis déjà en place hein, sur un FTSE avec mon système qui est déjà sécurisé. Le stop sur est bien placé pour l'instant. On va voir si on peut continuer ici. Là, j'ai des retracements automatiques qui m'indiquent que les 50% de Fibo sont juste ici. Donc, on va voir si le marché peut respirer un petit peu plus depuis ce double top en fait qui nous permet de partir dans une tendance baissière. Ça a du mal à descendre pour l'instant. Alors côté DAX, hein, pour l'instant, j'ai un début d'une tendance baissière sur le du M1, mais loin d'être baissier hein, pour l'instant sur le graphique M5. Je vais revenir sur le chat ici, on va voir si ça sort pas sur le FTSE 100. GBPUSD qui reteste les 1,3050 aussi. Alors GBPUSD, je suis sorti en stop sueur, ça y est. Pardon, sur le FTSE 100, je suis sorti en stop sueur. Pas encore sur GBPUSD. GBPUSD qui sortira en stop, voilà, qui est sorti en stop ici. Pareil sur le FTSE 100, sur graphique temps, bah, j'ai obtenu des prix moins intéressant sur graphique en temps, donc j'ai pu sortir d'un scénario à 0, pardon, par contre sur donc 0 sur FTSE 100, par contre du coup en perte pour l'instant sur le GBP/USD. Donc l'oblique ici casser un tout petit peu pour tester les creux précédents pour mieux repartir pour l'instant sur GBPUSD. On est en train de tester toujours les résistances ici 7275. On est un petit peu au-dessus du support qui se maintient sur les 14200 pour l'instant sur un DAX qui a du mal à descendre. Le CAC qui va être face à la résistance. Alors je reviens un peu sur le chat, excusez-moi. On en était où du coup? Zaraki qui nous disait du coup perso je ne trouve pas la proba. Les probas du coup, pas de notre côté, on ne sait pas du coup ce que le prix peut le prix, ce que peut faire le prix, je pense que tu veux dire. Alors tu veux dire à l'intérieur à l'heure actuelle, c'est ça? Alors à l'heure actuelle en termes de proba sur le FTSE 100, on avait des probabilités de continuer de descendre. Donc moi j'ai pu sécuriser sur le FTSE 100, donc ça c'était plutôt bien. Pour l'instant le marché qui ne veut pas continuer la baisse. On va voir si ici on est capable de repartir ensuite sous les 7275. Là j'avoue que le GBPUSD c'était plus risqué puisqu'on était proche des creux, mais je voulais vous faire un petit exemple sur Forex pour changer aussi un peu. Donc on va voir du coup ça prochainement bien sûr ensemble. Et puis pour l'instant, c'est vrai que de toute façon, le DAX il se tient. On a aussi pour l'instant un CAC 40 qui va plutôt aller chercher une résistance. Donc on va voir comment les choses évoluent pour le moment. Mais là, tu vois, on est en train de réagir un petit peu sur le DAX, proche des sommets précédents aussi. On réagit un petit peu aussi ici pour l'instant sur
On va voir si j'ai pas quelque chose sur le footy 100, si on arrive sur les 64. Ouais, ça serait par là. Pour repartir sur de la baisse. Je vais mettre un scénario de baisse possible sur le footy 100 en fonction ici du seuil des 264, à peu près 80. Alors je viens de voir que j'avais un scénario rapide déclenché ici sur le DAX à la vente. Pour l'instant, pas loin des 22 points pour chercher un premier TP. On va surveiller ça ensemble puisque ça c'est sur le point de se faire. Tendance baissière, hein, clairement, sur du L1. Même si on est dans cette zone-là, il y a assez de distance pour rechercher un premier TP. On va voir ça. Voir si footy 100 peut enchaîner aussi sous du coup un rejet encore des 7275. J'ai pas été voir le gold, tiens, le gold qui continue dans sa tendance baissière, je vais vous montrer ça, il est déjà sur les 100% de symétrie de marché de la dernière vague en fait. Tendance baissière, tiens, ça donne quoi sur ce qu'on disait tout à l'heure? Ici, ouais, il est en train de passer sous les 1915, donc on est dans un scénario de break baissier pour une tendance baissière. Faut-il ensuite bien sûr qu'il y ait des opportunités intéressantes, mais pour l'instant clairement le gold plutôt baissier pour ma part. Ah, ça y est, TP1 touché sur ici le système pour le DAX. On va zoomer pour que vous voyez ça. Un petit peu tassé ce graphique pour l'instant. Donc je vais pouvoir sécuriser. Je crois qu'on parlait de 22 points. J'étais un peu slippé, tiens, pour du 20 points. On va prendre du 20 points du coup, quand même. Ici aussi. Extension 61,8 de Fibo pour ouais, pourquoi pas. Pas en direction du creux précédent. Mais le marché va hésiter pour l'instant, va respirer. Je vais vous le laisser en zoomer comme ça, parce qu'avec le gap, c'est un peu tassé pour l'instant. Il veut pas pour l'instant, hein, vraiment s'affranchir des 7275, ce footy 100. Eric qui nous disait aussi, marché asiatique, du coup, oui, grosse montée du Hang Seng, du coup, 1600 points ce matin. Grosse volatilité, hein, de toute façon, côté asiatique sur les indices, c'est clair. Info, 4JPY aussi nous disait Walid. Alors attends, on va aller regarder ça si tu veux. 4JPY, on va repartir d'un graphique journalier. C'est une paire assez sympa, 4JPY. Je pourrais vous la montrer pour les séances swing trading justement. C'est une paire qui peut être en tendance aussi, donc souvent c'est pas mal. Alors là pour le coup, hein, ça me fait mentir, du range, mais là on repart, ça y est, sur une belle tendance haussière. Ça plutôt sympa en journalier. Tendance haussière horaire aussi, on a cassé les sommets. Donc le plus intéressant ici serait d'attendre maintenant un peu de respiration. Tu vois, on est déjà sur une phase obstacle résistance R1 journalière, R1 mensuelle. Petite respiration dans une zone comme ça pour continuer serait la bienvenue. Donc déjà un peu de rejet si on casse pas franchement déjà la zone d'un coup. Et si on la casse, attention ensuite à la correction pour continuer cette hausse. Hein. Vraiment l'idée de la tendance, c'est attraper des prix bas dans un marché à potentiel haussier. Je vais peut-être finir par annuler ce scénario, hein, sur le footy 100 si ça ne veut pas partir. Je suis du coup dans la vente sur le DAX pour l'instant pour rechercher idéalement les 14 200. J'ai un TP2 sur les 208, ça y est, ça se décide un petit peu, je vais pouvoir rabaisser un petit peu le risque. Allez, le DAX, je vais vous le montrer ici, il commence à se diriger sur son deuxième TP. D'ailleurs, un deuxième TP que je dois ajuster sur les 206. Voilà, si je veux être sur la prochaine clôture, on va dire, ça ferait deux rien coup de plus. Ce qui m'emmène à du coup un TP2 de 37 points. Vous le voyez qui sort automatiquement avec l'assistant. Ici, un petit peu slippé aussi, mais du coup, ça me permet de faire 34 points. Donc maintenant, scénario gagnant, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir voir si on a un stop suiveur qui se dégage en cas de cassure. Hein, ça serait pas mal sous les 14 200. Ça serait pas mal.
Ah ben, le GBP/USD qui s'est relancé ici aussi sur un retracement bien plus profond. On attend des 1,3046 pour un TP1 aussi. Première opportunité très risquée. Là, c'est beaucoup plus conservateur. Donc, on va voir si on peut aller chercher du coup un premier TP ici. Donc, sécurisé en cours TP1, TP2 sur le DAX. En attente de voir si ça peut repartir à la baisse sur le FTSE 600. Côté CAC 40, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de vouloir redescendre un petit peu, mais ouais, rejet de la résistance pour mieux réintégrer. Allez, on va peut-être avoir un déclenchement sur le FTSE 100 à la baisse aussi. Le DAX qui veut aller tester concrètement les 4000, pardon, les 4000, les 14200. Ouais, là on a quand même les 6500 pour l'instant qui bloquent un peu sur le CAC pour réintégrer, pour partir à la baisse. Toujours sur les 200, 200, 206. Du coup, là où j'ai mon extension 61,8 de Fibo, où j'ai pris mon deuxième TP sur le DAX, hein, aux abords des 14200, ça se maintient pour l'instant encore en mode support. Donc si je voulais être plus conservateur, du coup j'aurais pu sortir toute ma position sur les 206, du coup. Mais c'est vrai que bah, ayant une tendance ici baissière en cours, potentiel baissier en plus jusqu'à au 100% de symétrie de marché, ce qui représente les 172 et quelques, 127 de Fibo automatique avec les 143, 161 ici avec les 14106. À voir si du coup on peut pas quand même du coup tenir et baisser. C'est aussi le choix à faire en fonction d'un système tendanciel. On est dans de la tendance potentielle ici. C'est vrai qu'on voit qu'on est limité par rapport à un seuil des 14200. C'est un choix à faire parce qu'on peut très bien tout à l'heure dans 2-3 minutes casser ces 14200 et à ce moment-là la sortie finale sur les 206, bah, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir en regarder une partie. C'est toujours un peu le dilemme hein, qu'on a en tant que trader, essayer de sortir au meilleur endroit possible et ma réponse par rapport à ça, bah, c'est toujours de mettre en place une manière dynamique de sortir. Déjà, des sorties partielles qui vont vous faciliter la tâche et ensuite une procédure qui va vous permettre de rester dans le mouvement le plus longtemps possible pour cette phase de stop sueur qui des fois bien sûr ne va pas courir et là on en est conscient, on le sait puisque ça fait partie de la stratégie donc on n'est pas frustré si ça court pas, ce genre de choses, on sait que ça fait partie de la stratégie, c'est l'avantage et en même temps l'inconvénient du stop sueur, c'est-à-dire que quand il court c'est génial, on rentabilise beaucoup, quand il court pas, eh bien du coup c'est dommage de ne pas être sorti sur le TP2 voire le TP1. Mais on peut rien avoir de parfait dans la vie comme dans le trading, donc c'est un choix qu'on fait avec l'avantage, l'inconvénient, en fait le compromis qu'on fait entre les deux très important. Allez, je vais revenir sur le chat ici, Gaëtan qui nous dit du coup à quand le prochain live. Prochain live ce soir pour la Fed à 19h, sinon demain matin 8h30, 10h, puisqu'on est live tous les jours de 8h30 à 10h, toujours de la semaine bien sûr, du lundi au vendredi. Et sinon, tu as des webinaires mardi soir prochain et jeudi soir prochain aussi, donc respectivement pour les astuces du trading, enfin du tech profit en trading. Et le jeudi, c'est réservé aux clients Admirals aussi pour démarrer ensemble nos séances de swing trading aussi. Makozy qui nous disait du coup rien n'y fait, quand tu achètes ça diminue directement, quand tu vends ça augmente directement, en une seconde ça change. Alors là à l'heure actuelle tu vois que les marchés sont un peu dans des ranges, hein, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'exprimer en termes de tendance aussi. Donc ça peut déjà expliquer une partie de ça qui peut donc s'expliquer. Et ensuite ça dépend aussi comment tu vas rentrer en position sur tes trades. Moi tu vois par exemple je suis rentré, j'ai sécurisé 1, 2, donc même si on va chercher ici le stop suiveur, je ne serai pas perdant sur cette opportunité puisque j'ai pris du coup à 50% 20 points, encore à 50% 33 points. Ce qui va rester, c'est du coup le reste de la position pour une perte de 20 points. Donc c'est du gain quoi qu'il arrive. Et en fait, très souvent ce qui se passe, c'est que si tu achètes et que le marché se retourne direct, alors d'ailleurs je vais sortir, hop,
Je vais sortir parce qu'on commence, regardez ici, à ranger. Donc ici, j'ai même diminué cette perte à 14-15 points. Donc là, c'est un scénario gagnant de quelques points, mais quand même un scénario gagnant. Je suis toujours sur mon GBP/USD en attente d'un retour sur un 30-04. Ça peine à y arriver. On a vraiment, c'est un 30-50 qui travaille beaucoup. Et toujours rien pour l'instant sur le FTSE 600. Le gold ici, dans sa tendance baissière, qui commence à retracer pas mal. Mais qui sera pas forcément intéressant pour moi non plus. Donc aussi voilà, c'est souvent en fait quand on rentre trop tard, c'est également qu'on ne rentre pas fonction du prix directement, c'est qu'on rentre souvent sur des indicateurs. Et là il faut faire attention parce que les indicateurs par définition sont en retard aussi justement, et c'est là où on va avoir le souci de rentrer trop haut ou rentrer trop bas sur un marché. Je ne sais pas hein, si tu utilises par exemple Makosi des indicateurs pour rentrer sur tes positions, dis-moi si c'est le cas ou pas. Par exemple Mao qui nous disait du coup vaut-il mieux acheter ou shorter du coup le CAC 40. Alors je ne vais pas te conseiller d'acheter ou de vendre le CAC 40, ce sera un conseil en investissement, etc. C'est des choses qu'on ne fait pas chez Admiral ici. Mais je te donne le contexte. À l'heure actuelle, par exemple, le contexte, c'est qu'on est face à des résistances sur, du coup, le CAC 40. Tu vois, on a cette R2 qui corrobore le seuil résistance des 6525. Donc, tant qu'on casse pas cette zone-là, compliqué pour des achats. Au-dessus, bien sûr, si on casse un peu comme ceci, ce sera plus favorable. Mais sinon, ici, tu vois qu'on hésite, en fait, dans une petite zone pour réintégrer la zone de range, en fait, précédente. Donc là, on est dans un sas, en fait, entre une zone de range précédente avec un seuil des 6500 et un obstacle avec les 6525 juste au-dessus. Donc clairement un sas pour l'instant sur le CAC 40 comme ça. Un GBP qui a beaucoup de mal avec cette zone des 1,3050. Maximilien qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi. Walid qui nous disait cassure des 1915 sur l'or. Ouais, en tendance baissière cet or, en tendance baissière, même si elle réfléchit un petit peu. On reteste la R2 pour l'instant, aussi bien sur le CAC que sur le DAX. Et ça remonte, donc je vais très certainement annuler ce scénario. Ouais, je vais l'annuler ce scénario pour l'instant sur le FTSE 600. Enfin, GBPUSD qui remonte hein, ici. J'aurais dû remonter mon stop sur deux Renko, ça aurait été plus safe en fonction des 1,30. Donc là très certainement un stop aussi sur GBP ce matin qui ne veut pas donner. On voyait hein, des trades perdants, bien sûr ça existe aussi. Le principal c'est de les minimiser ces trades perdants, ça y est sorti sur le stop du GBP/USD. Donc on va voir pour l'instant, perte sur le GBP, gain sur le DAX. La séance n'est pas finie, mais pour l'instant les marchés qui vont tenter la borne haute encore, résistance R2 du DAX, résistance R2 du CAC 40. J'en ai accumulé du coup, boum, du coup le France 40 a décollé. Un petit peu, ouais, mais face à l'obstacle hein, des 6525, il a du mal pour l'instant. La nature qui nous aide, n'oublie pas le pouce. N'oubliez pas le pouce, les amis. Merci beaucoup. 70 likes déjà, ça fait super plaisir. Julien qui nous disait bonjour, bienvenue à toi, Julien. All nature qui nous dit du coup, n'oubliez pas oui, les pouces, pardon. Merci beaucoup, Julien. All nature, je vais y arriver. Ouais, il est 9h34, donc n'hésitez pas, bien sûr, à liker et à partager un maximum. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, ça fait vivre cette chaîne YouTube. Et moi, ça me fait plaisir de savoir vous aimez ce format, ces séances ici qu'on partage tous les jours ensemble. Je vais vous repartager aussi ici les webinaires qui nous attendent. Donc déjà la semaine prochaine, dans 6 jours, à 10h et 25 minutes, vous avez les astuces sur le day trading. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour participer à ce webinaire-là. Et pour les clients, du coup, Admirals aussi, hein, parmi vous, vous pouvez nous rejoindre aussi dans 8 jours, 8h et 25 minutes pour notre première séance swing trading. Du coup, on ira voir pas mal de marchés différents sur des horizons de temps plus grands, swing trading slash investisseur bien sûr. Donc n'hésitez pas aussi si c'est du coup dans votre profil, dans ce que vous aimeriez faire aussi, pourquoi pas, et que vous êtes du coup chez Admiraz. Donc plus de scénarios en cours pour ma part.
en attente d'avoir des choses quoi, des choses qui se présentent bien évidemment. Un GBPESD qui collabore pas ce matin, de retour au-dessus de ses 1,3050, ça range un petit peu au-dessus du coup, ça range un petit peu en dessous. Donc ce niveau médian des 1,3050 qui nous permet de voir un range hein, sur les 1,3065 par le haut, 1,30 du coup, 37 à peu près par le bas. Donc attention, je vais vous mettre une zone qui délimite un petit peu le tout. Pour l'instant, soyez bien vigilants dans cette zone-là. Début d'une tendance haussière même sur le DAX aux abords de la résistance R2 pour du M1, pas encore pour du M5. Il risque de pas y avoir grand-chose à faire ce matin sur cette séance. Arona qui nous a dit du coup le HSI a rebondi sur son dernier plus bas historique. Ça marche, du coup notamment avec les bonnes nouvelles hein, côté chinois. Antonio qui nous est le DAX 42 points sur TP. Bravo à toi Antonio, félicitations en mode scalper j'imagine. Hein. RG qui nous dit aussi Jérémy, ton œil d'expert peut expliquer la bougie M5 de 9h15 sur l'euro USD. Alors attends. Alors je pense que tu parles du chandelier ici, donc je vais enlever 2 secondes Ekenashi. L'indicateur, je vais le mettre hop, ici, sans visu. On est quoi sur un graphique M5, donc je vais juste enlever celui des minutes. Voilà. Et tu nous disais, du coup, sur la bougie de 9h15. 9h15, je pense, heure de Paris, donc 10h15, heure de la plateforme. Ma gros boom aussi sur l'ouverture, hein, clairement à la hausse. Ici, si tu veux, j'ai pas d'explication pourquoi c'est monté comme ça. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est du coup que maintenant, en fait, si tu veux, ça nous permet, hop, par rapport au scénario dont on parlait ici, d'y voir pour l'instant le souhait déjà de tester l'ARA. Donc deux choses peuvent se passer ici, soit justement on réagit pour une fausse cassure du coup d'une borne haute ici, de zone de range qui peut nous entraîner tu vois sur la borne basse comme ça, soit on va travailler hop, comme ceci la zone en question et ensuite avoir peut-être un break haussier. Donc break haussier ou break baissier par rapport à cette petite zone. C'est surtout ça qui va être l'intérêt maintenant du coup pour moi de à regarder sur l'euro dollar. Même si je traite pas l'euro dollar, c'est pas un actif que j'aime trader. Hop, ici, je l'ai tradé dans le passé, mais depuis que je suis passé sur un indice boursier, ça a changé beaucoup de choses. Hein. Le potentiel en termes d'amplitude de mouvement, de comportement du marché, etc., est beaucoup plus, je trouve, intéressant sur les indices boursiers plutôt que sur les paires forex. Par contre, c'est vrai que pour le swing trading, c'est chose qu'on abordera ensemble du coup bien jeudi la semaine prochaine. Hein. C'est vrai que ça peut être intéressant justement parce que là on a plusieurs paires, on peut attendre des opportunités sur certains actifs. Le spread n'est plus vraiment un souci non plus puisqu'on est sur des grosses unités de temps. Et du coup, ça peut permettre de diversifier son portefeuille aussi en termes d'opportunités à trouver. Boris qui nous dit du coup, il y a les 50 de Fibo mensuel aussi sur le support des 6663 et 6500, 6000, pardon, 463 et 6500. Ça marche, Boris. Merci pour le complément d'information. Résistance R1 Hebdo. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et du coup, 6520, 6390 zone mensuelle. Donc, pas mal de choses, hein, clairement, qui se passent à l'heure actuelle sur le CAC. Merci pour les compléments d'information. Boris, Steve qui nous dit bonjour, bienvenue à toi, Steve aussi. Et Philippe qui nous dit du coup, le CAC, les projections au SOBA, elle la donne du coup à la hausse. Alors, Boris qui posait la question au SOBA. J'avoue que je ne connais pas non plus. Philippe, si tu veux nous en dire un peu plus. Lucas qui nous dit du coup, j'espère que les 34 000 sur le dos, mais déjà sécurisé 73 points. Pardon, pour ma part. Alors, attends, hop, le dos. Ici, la résistance R1 pour l'instant, tu nous parlais des 34 000. Donc les 34 000, ouais, prochain niveau avec le point pivot mensuel. Mais c'est vrai que tu vois cette R1 pour l'instant, mais tu nous parles d'avoir sécurisé. Tu nous dis que tu as sécurisé, donc plutôt bien, puisqu'on est déjà, oui, dans le scénario aussi en cassure des 33 700 points. RG qui nous dit du coup merci, magnifique pour ton explication, ça me rassure car je n'ai rien pris ce matin, j'ai analysé un petit peu comme toi cette bougie haussière, excellent, merci encore pour ton live ce matin avec un like, j'en prie RG avec grand plaisir. Antonio qui nous dit scalper du coup à plein temps avec un like, oui je m'en doute, hein, pour cumuler des points sur une amplitude comme ça, en tout cas bien joué ici. On avait donc cette borne haute, cette borne basse, c'est vrai qu'il y avait la réintégration possible. Moi j'ai pris quelques points sur de la baisse possible parce qu'il y a un potentiel de récupération plus grand aussi sous les 14 200. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais du coup la sécurité des partiels, vous voyez ce que ça peut donner aussi.
Boris qui nous dit du coup Philippe, du coup au sabbat, point d'interrogation. Florian qui nous dit du coup profit latent en bail grâce à l'ETE inversé sur l'euro JPY qui continue à monter en H1 et celle sur le silver grâce à l'ETE du coup qui baisse toujours en swing depuis plusieurs jours. Ça paye, le plan est respecté. Top Florian, félicitations. Content de voir que ça marche sur l'euro JPY. Tu verras, c'est une paire qu'on retrouvera certainement aussi dans les événements swing, le silver pourquoi pas aussi. Je vais vraiment vous montrer pas mal de choses à titre d'actif aussi pour diversifier votre swing trading, puisque l'idée vraiment du swing hein, c'est de passer quelques pas forcément plusieurs heures hein, vous voyez derrière l'écran, mais d'attendre vraiment des opportunités de qualité aussi sur des horizons de temps assez grands. Donc on peut regarder pour ça plusieurs actifs, c'est pas un souci puisque le temps de la réflexion est clairement présent du coup en swing trading. Donc ça c'est pas un problème et du coup on peut vraiment être dans la position d'exploiter des mouvements opportuns sur différents marchés, sur différents pour plusieurs jours bien sûr, mais sur différents types de marchés, que ce soit le forex, les indices boursiers ou même tout simplement les matières premières par exemple, voire quelques actions également. Je suis en train de réfléchir vraiment à ce format-là que je vais vous proposer dès la semaine prochaine. Florian, tu nous dis aussi pourquoi tu n'aimes pas trader l'euro USD, Jérémy. Du coup, c'est la paire de devises la plus échangée pourtant. Clairement, la plus échangée, mais si tu veux, quand tu fais la comparaison du coup entre volatilité, qui pour moi synonyme d'opportunité, en tout cas d'un point de vue des traders, tu t'aperçois clairement que la volatilité est plus petite sur l'euro-dollar, justement aussi bah, très très échangée. Ça veut dire aussi, si tu veux, que tu as beaucoup plus de potentiel confrontation acheteur-vendeur en fait. Également, ce qui fait que le marché peut être un peu plus piégeur et peut aussi avoir des amplitudes de mouvement un peu moins amples, en fait. Donc, l'euro-dollar, on pourra le regarder d'un point de vue swing, mais ce sera vraiment aussi du qualitatif, c'est-à-dire qu'on aura des contextes de range dans lesquels, bon, selon la stratégie de chacun, bien sûr, on traite le range, on traite pas le range, etc. Mais par exemple, pour du swing, quand tu y trouveras, je vous montrerai bien sûr hein, sur ces séances swing. La même chose que je vous montre là, mais sur des horizons de temps plus grands, c'est-à-dire des scénarios de range, des scénarios de tendance. Donc à partir de là, il y aura sûrement, bien sûr, des choses à faire aussi sur l'euro-dollar. Mais quand tu compares avec d'autres paires forex qui ont des tendances, qui ont des amplitudes de mouvement plus importants, je parle notamment de l'euro JPY, du 4 JPY, on a des paires forex comme ça qui sont très intéressantes que j'exploitais dans le temps quand j'étais 100% forex et quand j'étais sur du swing trading. Donc ça va être intéressant à re-regarder ça. Mais si tu veux, par exemple, c'est pas parce que c'est l'actif le plus échangé côté forex que c'est forcément le plus intéressant. Ça c'est important aussi. C'est pas comme sur futur où sur futur on aime avoir par exemple une énorme liquidité et des gros volumes sur l'actif principal qu'on va trader parce qu'on a besoin du coup d'être rassuré en termes aussi de contrepartie. Sur le forex, oui, l'euro dollar est super échangé, mais on n'aura jamais des soucis de liquidité sur du GBP, sur du 4JPY pour prendre des trades, etc. Surtout avec les tailles qu'on va prendre, tu vois. Donc, Bébert qui nous dit pour moi le CAC 40 dans un range 6525-6460. Alors que 6460, oui. Alors, pour moi, si tu es les mêmes dans ce contexte-là, d'un range 6500-6460, et là, dans un sas en fait. Soit pour un break haussier et poursuivre le break initié de cette zone de range, soit pour réintégrer la zone de range précédente, tu vois. Donc à peu de choses près, c'est la même chose. C'est juste que moi j'y vois du coup un sas vraiment entre deux, soit pour intégrer, soit pour breaker la résistance en fait des 6525. On tente le break aussi d'ailleurs sur le GBP USD pour l'instant. Il commence à ranger pour moi le GBP USD, hein, je vous le disais de toute façon, donc attention. Il y a un marché qui a vraiment du mal à se décider, donc pas grand-chose. Quelques petits points de prix sur le DAX, mais le GBP USD qui n'a pas collaboré hein, pour moi ce matin à descendre. Ça consolide beaucoup ici aussi hein, dernièrement pardon sur le FTSE 100. Allez, on rejette pour l'instant encore l'AR2 sur le CAC, sur le DAX aussi.
Ça veut redescendre un petit peu pour l'instant sur les indices. Tom qui nous disait comment tu colores du coup ton range en fond bleu et rouge. Alors c'est tout simplement la touche H et S, tu vois, du mini terminal. Par exemple sur le DAX, tu vois, je l'ai désactivé, tu l'as ici cette touche, je la réactive et tu vois cette zone bleue, cette zone rouge. En fait, ça te montre le point, le dernier sommet, le dernier creux. Ça te délimite avec le niveau médian entre ce sommet et ce creux, ces deux zones de couleur. Donc ça, c'est dans l'édition suprême chez Admirals. Je vais te montrer ça directement depuis le site. Tu l'as ici dans plateforme MetaTrader Édition Suprême, que ce soit sur MT4 ou sur MT5, ça fonctionne. Je te partage ici d'ailleurs le lien directement. Hop, là, comme ça. Donc n'hésite pas, hein, tu auras du coup dans cet espace indicateur tous ces indicateurs Admiral et dans l'espace expert consultant, tous ces experts consultants où tu retrouves le mini terminal que tu glisses et que tu dans lequel tu retrouves en fait ces options pour personnaliser un petit peu ton graphique. Je trouve la touche HS très intéressante parce que justement au niveau du dernier sommet, au niveau du dernier creux, quand on n'arrive pas à se dégager vraiment de ces zones-là, ben on a du mal à évoluer quelque part et ça se transforme très souvent en range aussi. Philippe qui nous disait du coup tu vas dans projection d'Osada sur 26 périodes, tu nous disais Philippe. Hein, donc en relation, je pense avec Ichimoku. Hein. Je dois m'absenter 2 minutes, j'arrive tout de suite.
Voilà, excusez-moi, petite urgence à gérer, c'est réglé. Je viens de voir 91 likes, merci beaucoup, ça fait plaisir à tous ceux qui prennent le temps de liker ces vidéos. On est en train de réagir sur un burn-out sur le GBP/USD. Tu sens toujours autant de mal à gérer ici vraiment cette résistance, hein, à rejeter, je voudrais dire. Tout ici, la résistance des 7275. On rejette la burn-out sur le DAX, aussi sur le CAC pour le moment. Du côté du gold, on est orienté du coup sur une baisse qui n'a pas duré puisqu'on a su réintégrer rapidement le seuil des 1915. Je vais vous montrer ici le système qui d'ailleurs repasse dans une zone de range possible pour désormais même un potentiel haussier. Donc attention au maintien de cette zone désormais support à nouveau les 1915 dollars l'once d'or. Voilà, l'euro dollar maintenant qui va revenir travailler les 1,0987, soit pour réintégrer la zone, soit pour rebondir et tenter le break ensuite au-dessus du sommet précédent et de la RA en fait. Donc une matinée pas très très folle folle, hein, j'ai envie de dire en termes de volatilité. De toute façon, on se retrouve ce soir à 19h également, hein, pour l'événement lié à la Fed. Donc ça nous permettra de voir aussi pas mal de choses. Tom qui faisait du coup, alors qu'on voilà un Tom pour la couleur ici les zones. Avec le mini terminal. Jean-Yves qui nous dit bonjour Jérémy, pardon à tous et à toutes du coup, avec un tantinet de retard. Lol. Bienvenue à toi Jean-Yves, pas de soucis, j'espère que tu vas bien. Juste avant, pardon, Makozy qui nous disait merci Jérémy, nous en apprenons plus chaque jour avec vos explications. J'attends la réponse de l'amiral pour LTR et je vais commencer une nouvelle aventure. Bonjour à tous et succès dans le trading. Super Makozy, n'hésite pas, tu me diras hein, si la réponse prend du temps, mais je pense que tu auras une réponse dans la journée. Et n'hésite pas à me faire un retour en tout cas. Et dès que tu seras sur le site, on pourra même échanger directement avec grand plaisir. Philippe qui nous a du coup des pouces pour Jérémy. Je ne vous trouve pas très généreux avec cet homme, tant du coup, tant pour pardon pour ses qualités professionnelles qu'humaines. Merci, un grand, grand merci à toi, Philippe. J'adore ton message et ça fait extrêmement plaisir de savoir que ça te plaît et que ben voilà que ces lives sont plaisants aussi pour toi. Merci beaucoup vraiment pour ton retour, très très sympa. Florian qui nous dit d'accord, merci Jérémy, je t'en prie. Florian, tu nous disais du coup, mais on peut quand même être rentable, que ce soit en day trading ou en swing trading avec l'euro USD. Ouais, j'ai envie de te dire, tout dépend toujours de ta méthode. Hein. Moi, par exemple, si tu as à une époque, je tournais du coup aussi sur à peu près, c'était du 5 à 6% par mois, juste en tradant 3 jours dans la semaine. Je tradais l'euro dollar, le GBP USD et du coup, je tradais l'USD JPY en mode day trading. Des petites séances le matin, l'après-midi, du coup, sur. Ces paires-là, j'étais déjà sur le début d'un système un peu comme tu as là, c'était pas aussi poussé que ça, hein. C'était très léger, c'était les débuts des débuts, du coup il y avait beaucoup moins de potentiel et puis c'était que sur du forex. Quand tu vois maintenant le potentiel, du coup typiquement sur les indices boursiers, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir quand même. Et après, tout simplement, pareil, tu peux être rentable dès que tu gagnes 1 euro, 2 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la notion de rentabilité aussi évolue au cas par cas, fonction aussi des différentes personnes. C'est-à-dire que, il y en a un, par exemple, il y en a qui vont dire être rentable, pour moi, c'est le minimum faire 1500 euros par mois, tu vois. Du coup, en tradant, par exemple, peut-être que l'euro-dollar, si on s'arrête sur le sujet euro-dollar. Donc, après, voilà. Être rentable. En fait, être rentable en trading. Donc on va dire slash profitable, c'est pas si dur que ça, puisque grosso modo, si on réfléchit en termes de mathématiques, qu'est-ce qu'on a besoin pour être rentable en trading, pour être profitable, en fait pour être gagnant en trading si on veut simplifier les choses. Mais on a juste besoin de gagner plus que ce qu'on perd. Donc imaginons, vous prenez même un système qui n'est pas terrible, vous gagnez 50% du temps, vous perdez 50% du temps, du moment que quand vous gagnez un tout petit peu plus que ce que vous perdez, vous êtes un trader gagnant. Donc en fait, quelque part, sortir des 90% des traders perdants n'est pas si compliqué que ça, du moment bien sûr qu'on arrive à mettre les choses en place pour arriver déjà à créer ce petit décalage. Après, il faut savoir une chose, c'est que l'être humain n'aime pas avoir raison une fois sur deux. L'être humain aime avoir raison très souvent. Alors, ceux qui arrivent à rester à du 50% mais à augmenter les ratios, c'est-à-dire à gagner peut-être deux fois, du coup, dans un trade gagnant, ils gagnent deux fois ce qu'ils sont prêts à perdre sur un trade perdant. Ils sont rentables et du coup ils dégagent même
un peu plus d'argent, c'est pas mal, hein, déjà un ratio à 2 pour du 50% de taux de réussite. Par contre, ce qui va être énormément à travailler pour ce genre d'approche-là, c'est la psychologie, puisque vous pourrez avoir des drawdowns de 20 trades perdants d'affilée. Imaginez, très peu de personnes vont être capables du coup d'exploiter une stratégie sur compte réel où il y a un potentiel de 20 trades perdants d'affilée, alors que si on tient bon sur le long terme, ça peut être une stratégie gagnante. Donc à partir de là, l'être humain aime avoir énormément raison. C'est aussi pour ça que beaucoup de traders débutants veulent s'orienter sur du scalping. Alors que le scalping, c'est une approche qui nécessite quand même des compétences que les traders débutants n'ont pas, bien évidemment, et c'est tout à fait logique, hein, c'est pas méchant, c'est pas méchant ce que je dis là. C'est que quand on veut faire du scalping, voilà, il faut avoir les compétences, de l'expérience, il faut avoir un sang-froid, il faut avoir des réflexes parce que ça va très vite, etc., etc. Plein de compétences qu'on n'a pas en tant que débutant. Si vous prenez par exemple mon exemple, ici, moi à l'heure actuelle, par exemple, quand je trade les futurs, je trade que du TP1 étant donné la taille de mon capital pour démarrer. Donc c'est une approche un peu plus côté scalper, mais pourtant je ne vais pas prendre 300 trades. Et du coup, avec mon approche, on voit venir les setups à l'avance, on voit les phases de marché se développer à l'avance. Donc on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans la panique. Et même les traders débutants peuvent du coup démarrer avec ce genre d'approche-là. Ce qui me permet actuellement d'avoir dans les 77-78% de taux de réussite, sans pour autant être un scalper fou furieux où je prends des trades dans tous les sens. Donc après, en fait, tout est possible en trading. Donc moi, j'ai voulu développer une approche qui était plus, j'ai envie de dire, rentable aussi par rapport au nombre de trades pris. Parce que sur futur, quand vous prenez un trade, c'est une commission à l'entrée, une commission à la sortie. Plus vous prenez de trades, plus vous payez de commission. Donc il y a intérêt vraiment à dégager de la valeur à travers les trades que vous prenez aussi. Et sur les CFD, par exemple sur le compte trade pour MT5, trade pour MT4, donc sur CFD, c'est pas des commissions entrée-sortie, c'est le spread que vous payez du coup sur l'achat, sur la vente du coup d'un CFD. Donc quoi qu'il arrive, vous payez des commissions et il va falloir faire attention à ça, puisque sur le long terme, quand vous faites des projections sur le long terme, vous voyez réellement l'impact que ça a de payer ce spread, de payer ses commissions. C'est pareil quand on me dit pourquoi Jérémy tu ne prêtes pas le DAX de 8h à 9h, eh bien le DAX de 8h à 9h n'a pas un spread aussi compétitif qu'à partir de 9h sur le reste de la matinée où il y a déjà énormément d'opportunités intéressantes à exploiter. Donc je préfère maximiser mon trading aussi en fonction de ça. Pareil, je ne vais pas trader les indices boursiers avant leur open parce que pareil sur CFD les spreads ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, c'est toute cette réflexion là aussi par rapport à du coup le fait, voilà, je suis parti, hein, du principe d'être rentable, profitable, slash gagnant. J'ai développé un petit peu, mais j'espère que ça vous plaît aussi, parce que c'est des sujets super importants, je trouve. Youssef qui me dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Youssef aussi, Philippe qui me dit du coup, oui, tout à fait, top Philippe. Et Youssef qui me dit, est-ce que tu trades sur compte réel en parallèle ou juste en démo? Oui, je trade sur compte réel en parallèle. Du coup, d'ailleurs, ben, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube récemment. Du coup, déjà sur contrat futur et prochainement aussi, le temps de finir deux, trois petites choses sur du coup contrat CFD aussi, donc directement aussi chez Admiraz. Mais pour ceux qui me suivent, hein, sur les réseaux, vous pourrez voir ça au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Bébert qui nous dit merci pour la confirmation, ça rassure, je t'en prie Bébert. Je suis en train encore, Youssef, de voir comment je peux me débrouiller, bien sûr, puisque ces séances que je fais avec vous le matin sur des démos chez Admiraz, je t'avoue que j'aimerais bien pouvoir en profiter pour trader mon compte réel à côté, hein, quand tu vois les performances que je fais aussi, bien sûr, à côté dans les lives précédents, etc. Voilà, l'idée à terme, c'est que je puisse aussi moi-même en profiter déjà le matin et même l'après-midi sur du Nasdaq, sur du Dow, tandis que je fais les futurs à côté. Lucie qui nous a du coup Philippe, du coup c'est vrai, des pouces en plus. Merci beaucoup Lucie, ça fait super plaisir. On est quasiment à la centaine, on est à 97. Allez, encore trois petits likes et on passe la barre de la centaine. Je pense que c'est possible. Merci en tout cas à tous ceux qui likent ces vidéos, ça fait vraiment plaisir. Michel qui nous dit du coup dans le mini terminal, est-ce qu'on peut sauvegarder la configuration par Active Flow, etc. Alors tu peux la laisser si tu veux comme ça. Quand tu fermes et tu réouvres, souvent il va rester en place. C'est vrai que des fois il se remet en reset, mais souvent il reste en place. Du coup pour, tu vois, le FTSE par exemple, j'ai pas été changé ce matin, j'ai pas changé GBP. Ils étaient déjà restés comme ça en configuration avec des stops et des lots programmés en fait. Mister Momo Bob qui nous disait du coup oui, tu peux sauvegarder les modèles en haut à droite. Ah oui, alors les modèles graphiques, oui, mais je pense qu'il parlait du mini terminal directement, tu sais, en nombre de lots, la taille du stop loss, etc.
Red perdant sur le goal en M15 pour du coup Zaraki. Alors attends, on va aller voir le goal. Je pense que tu étais peut-être initié sur la baisse avec la cassure des 1915 ici. C'est vrai que ça n'a pas su progresser. On a réintégré. Donc ouais, ça peut faire partie de trade perdant, j'ai envie de dire, du drawdown. Moi, j'appelle ça le drawdown naturel de ta stratégie. Si tu as suivi ta méthode à la lettre, du coup, il n'y a pas de souci par rapport à ce que tu as à faire. Par contre, si tu as pris un trade qui sortait des règles de ta stratégie, etc., là, pour moi, c'est un trade qui est vraiment pas top et ça fait pas partie de ton drawdown naturel, si tu vois ce que je veux dire. Lucas qui nous dit, du coup, la Fed pardon, va annoncer une hausse des taux aujourd'hui, ça risque de bouleverser les marchés. Oui, clairement. Même si on s'attend à ce qu'il le fasse, tu vois. Mais ça dépend toujours si les acteurs de marché vont pricer ou pas l'information, etc., etc. Donc ici, toujours beaucoup plus complexe, si tu veux, de prédire entre guillemets comment les acteurs de marché vont réagir plutôt que d'interpréter leur réaction. Et c'est là où moi j'interviens plus sur l'interprétation de leur réaction. Antonio qui dit bonne journée à tous avec des likes et des smileys. Merci beaucoup Antonio, ça fait plaisir. Ça y est, 106 likes, c'est parfait. Merci à vous tous. Christopher qui nous dit salut aussi. Bienvenue à toi Christopher, j'espère que tu vas bien. Florian qui nous parlait de 35 points sur le CAC FUT ce matin. Du coup, top, félicitations, bravo pour ton score aussi. Toujours limité pour l'instant, attention, aux 6525. Tu nous disais aussi, voilà, et trade safe en journée FOMC, ça marche Florian, toi aussi. Et on se retrouve peut-être ce soir si tu es dispo. Si vous êtes tous dispo, hein, d'ailleurs ce soir à 19h pour le FOMC, pour la fête de ce soir attendu. Du coup, côté US, Christopher qui nous disait Euro USD, du coup, très piégeur, lol. Oui, clairement, Florian qui nous dit, du coup, merci pour le live. Du coup, j'aime avec plaisir Florian. Et Nicolas qui nous disait, du coup, le scalp, c'est souvent symbole d'argent rapide pour le débutant et c'est ce qu'il recherche malheureusement sans connaissance. Comme tu le dis, il est très facile de perdre en scalping. Oui, clairement, Nicolas, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça, moi, j'oriente vraiment les débutants plus sur du day trading. En fait, c'est un peu mon approche, moi, le day trading, mais un peu le day trading actif. Hein. C'est pour ça que j'ai un TP1, j'ai un TP2. J'étudie le mouvement, donc quand ça va vite, oui, ça peut être associé un peu plus à du scalping. Mais ce qui est sûr, c'est que j'irai jamais prendre 300 trades dans la journée. Je peux avoir des séances très riches en trading. Des trading actifs avec ma méthode, je peux aller jusqu'à 20, 30, 35 positions selon ce qui se présente à moi et le nombre d'actifs que je vais trader bien sûr, mais j'irai pas voilà, sur du scalping pur et dur pour chercher 3 petits points sortir direct et répéter l'opération toute la journée pour faire du 300 points par jour, mais en restant toute la journée derrière l'écran. Moi c'est vraiment une autre approche que je trouve en fait être aussi plus durable dans le temps, puisque souvent les scalpers peuvent avoir malheureusement avec ce stress aussi important des soucis de santé, ça faut pas l'oublier, hein. Il n'y a pas que... En fait de 1, c'est pas forcément avec le scalping qu'on fait le plus d'argent. On peut faire beaucoup d'argent en day trading, en scalping aussi bien sûr, mais je veux dire, c'est pas le scalping qui fera que vous ferez forcément beaucoup plus d'argent. Vous pouvez faire beaucoup d'argent, même plus que le scalping avec le day trading, et pour autant c'est aussi plus durable dans le temps parce que le stress n'est pas le même, la manière de faire n'est pas la même et c'est plus abordable aussi. Didier qui nous dit merci pour le live, bonne journée, à demain. Du coup, bise aux filles, ça marche Didier, avec plaisir. Très très bonne journée à toi aussi. C'est vrai que je viens de voir, il est 10h04, je vous fais un petit récap de marché et on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Zaraki qui nous dit merci encore pour le live, Jérémy, bonne journée à tous et bonne journée Jérémy. Merci beaucoup Zaraki, à toi aussi. Alain qui nous dit merci pour ses explications, je t'en prie, avec plaisir Alain. Didier qui nous dit du coup le DAX traîne les pieds en attendant ce soir, clairement. Et Sylvie qui nous dit merci Jérémy pour ce live hyper intéressant comme à chaque fois, belle journée à tous. Merci beaucoup Sylvie, à toi aussi. Et Didier qui nous dit du coup, et oui, à ce soir, c'est vrai, Jérémy, yes, pas de souci, hein, le fait à 19h. Et Florian qui nous dit du coup, si je suis chez moi, je viendrai faire un petit tour, oui, à ce soir, peut-être. Pas de souci, Florian, pas de souci. Allez, petit récap de marché pour finir. Donc, on est toujours au-dessus des 14200, en test toujours de cette résistance R2. On a été tapé les 14200, on est dans une tendance haussière du coup hein, sur le DAX. Donc pour l'instant, le maintien ici, on est en fait dans cette petite zone en attente de cassure par le haut pour progresser dans le sens de la tendance ou d'une cassure par le bas pour une correction de mouvement, bien sûr, et venir respirer un petit peu plus en direction déjà de la R1, voire même des 14000 sur le DAX. Du côté du CAC 40, quand on regarde le graphique horaire, on voit donc qu'on est toujours vis-à-vis de ce gap aussi en poursuite du mouvement vis-à-vis de cette R2. Si on arrive à casser la R2, la retester, on passera d'une résistance 6525 à un support. Par contre, si on est en échec, on pourra venir chercher le test R1 à titre de zone support pour l'instant avant les 6410. Et si on n'arrive pas à en sortir, on range entre les deux. Du côté du FTSE 100, on rejette petit à petit aussi la zone ici.
En foot 600, du coup, j'avais pas vu, j'ai un scénario en cours, du coup, avec cette petite urgence à traiter tout à l'heure. Scénario en cours pour un premier TP sur les 7255 pour l'instant. Bon, je vais sortir de position puisque c'est la fin de séance de toute manière. Mais voilà, j'ai persisté ici sur la baisse pour le foot 600. Et du coup, j'avais un scénario à zéro tout à l'heure. Là, c'est un scénario qui, je pense, sera gagnant sur un TP1. Si, bien sûr, sortie finale, c'est ce que j'ai fait pour l'instant en tout cas. Du coup, voilà, sur le foot 600, on est en train de récupérer dans le mouvement. On a une belle hausse ici, mais on est dans la phase de respiration horaire, en rejet quelque part finalement des 7275 et aussi de surtout de cette ER2 avec les 7295. Donc, respiration direction l'AR impossible, direction les 7200 possibles pour trouver potentiellement justement des rebonds puisqu'on est dans un break haussier quand même. Le S&P 500, du coup, qui tente la cassure de sa zone résistance, mais attention, c'est pas encore fait, on travaille les 4300 et les 4305 pour l'instant, soit pour un rejet, soit pour un break, un petit peu comme ceci. C'est vraiment le niveau du moment. Sur le dos, on a déjà cassé la résistance ici, 33700. Par contre, on est face à l'obstacle de la R1 du jour, soit respiration pour tenter de la poursuite comme ça, soit attention, si on respire trop, on réintègre même la zone précédente avec déjà un premier niveau autour des 33000, du coup 600 points. Donc voilà, par rapport à ça, excusez-moi, un peu la gorge sèche. Voilà, du côté du Nasdaq 100, on a déjà franchi la zone résistance en l'occurrence. Donc désormais, support dans un premier temps pour une poursuite du mouvement ou réintégration de zone. Attention, pour respirer à nouveau plus bas sur les 13475. Vraiment, le niveau du moment, 13625, 13630 sur le Nasdaq 100. Du côté du Gold, on en parlait ici, fausse cassure du coup pour l'instant et maintien du trading range toujours entre les 915 et les 925 dollars l'once d'or. Trading range jusqu'à preuve du contraire. Attention au breakout avec plus de confirmation, soit par le haut, soit par le bas. On arrive par le haut, on aimerait sortir par le bas, mais après on a bien corrigé aussi hein, depuis du coup cette tendance haussière journalière. Du côté du pétrole, on rejette la R1 du jour pour revenir potentiellement sur la zone support 102,50. Support jusqu'à preuve du contraire, et l'intégration du range sous le PPR1 et notamment le point pivot du jour pour revenir en trading en range entre ces 102,50 et les 99,50 ici aussi. Si rebond il y a, attention au test de la R1 à nouveau dans un premier temps. Côté euro dollar, eh bien on est du coup sur la borne haute hein, vraiment de cette zone de range, mais je vous disais, ça se définit vraiment comme ça. Hein. Vous avez en fait une zone par ici, une zone par là. C'est encore du trading en range, mais sur des zones un peu plus extrêmes qui peuvent permettre les fausses cassures pour les réintégrations, en fait, jusqu'à preuve du contraire. Pour la cassure, il faudra vraiment y voir ce genre de choses. Donc attendez, je vais enlever certaines flèches, voilà, hop, ce genre de choses, ou ce genre de choses. Donc voilà pour l'euro dollar, le GBP/USD du coup qui n'a pas collaboré hein, clairement ce matin, qui en fait évolue toujours dans un range. Donc on va faire attention à cette borne haute hein, des 1,30,65 pour une borne basse des 1,30,37,38 jusqu'à ce qu'on sorte. En fait, même en sortie, la hausse peut être rapidement limitée par cette zone support SDKC et la R1 du jour. Et la baisse, bien on a un niveau intermédiaire juste avec les 1,30 du coup 25 pour les 1,30 par le bas. Mais vous voyez que concrètement, je vais même vous mettre du coup et actualiser ça parce que c'est important. S'il veut bien l'attraper. En fait, on a vraiment cette zone aussi présente et importante que la zone support S2KC hein, nous permet de visualiser comme il faut. Et j'ai même envie d'y mettre cette zone de range. Ouais, là, c'est vrai qu'on a deux tests. Là, on a quand même plus de tests aussi. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour cette zone ici. Donc, borne basse de cette zone de range actualisée horaire. Les 1,30,25, borne haute, le niveau des 1,30,75. Donc, attention. En plein milieu, en plus de cette zone aimant, hein, des 1,30,50. Donc, attention clairement sur le GBP/USD, piégeur à l'heure actuelle. C'est vrai que je ne vous ai pas fait les autres points, mais rapidement, on est toujours de toute façon en range. Un double creux qui se forme ici, mais on n'arrive pas à sortir par l'eau pour l'instant sur du Bitcoin. Donc, on reverra ça si vous voulez cet après-midi. C'est vrai qu'il faut que je file. Mais du coup, là, pour cette matinée, il n'y avait pas grand-chose, mais on a abordé des sujets et des topics assez intéressants en tout cas. RG qui nous disait aussi, merci Jérémy pour tes explications, tes lives au top, toujours très instructif avec des likes. Merci beaucoup RG, ça fait très plaisir. Philippe qui nous disait, ce soir, bonne journée à tous, avec plaisir. Philippe, à ce soir, 19h pour la Fed. Sophia qui nous dit bonne journée aussi à toi, Sophia. Et Antonio qui nous dit, du coup, c'est vrai, du coup, ce que Jérémy dit sur le scalping. Merci de confirmer, Antonio. En tout cas, ça fait plaisir aussi d'avoir ton retour, puisque tu es un scalper, justement, comme tu nous disais à plein temps. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la Fed à partir de 19h jusqu'à 20h. D'ici là, bien sûr, très bon trading, très bonne séance US, vigilance, puisque les marchés pourront être un peu plus calmes ou un peu piégeurs. Du coup, on en reparle ce soir avec plaisir. Très, très bonne journée d'ici là et à ce soir 19h.